Côté rugby, la grêle qui est tombée ce dimanche sur le stade La Fougère de Tyrosse n'a pas entamé le moral des joueurs de l'UST qui ont gagné 34-0 devant Saint-Sulpice, ce qui les place second de leur poule. Je vous propose de suivre maintenant les meilleurs moments de cette rencontre. Stéphane, je dirais un match habituel à la maison, des belles choses, des bonnes choses, des mauvaises, comme on a tous les dimanches l'habitude à Saint-Sulpice, à La Fougère. Oh, c'est pas très sympa, des bonnes choses, des mauvaises choses comme on a l'habitude. Non, c'est pour les conditions pas simples. Pour les joueurs, on a vu que c'était très dur de courir sur le terrain. On va dire que le contrat est rempli. Alors, on a bonus, une victoire bonifiée, donc ça c'est positif, le résultat est très bien. Il y a eu des bonnes séquences et on a été fragile aussi sur effectivement dans les détails, conditions un peu difficiles, parfois c'est manquer de rythme. Voilà, mais on va retenir que les 5 points, c'est bien, forcément. Quand je dis des mauvaises choses, j'ai trouvé, vous voyez, attention, parce qu'à chaque match je fais un commentaire technique maintenant, il va falloir s'y faire, un petit œil critique, parce que la dernière passe, j'ai trouvé qu'à des moments ils auraient pu passer à leur collègue et ils ont gardé la balle. C'est vraiment, après les conditions, tout ça, je suis entièrement d'accord. Mais c'est cette dernière passe sur plusieurs actions. Oui, bien sûr, on a eu, vous devez parler de deux ou trois franchissements nets où on doit finir, en tout cas beaucoup mieux, ça c'est sûr. On en a fini certains. Voilà, et après on a aussi en début de match deux ou trois occasions à se mettre par nos avants où on échoue et on n'arrive pas à scorer. Donc effectivement, on marque 34 points. Il y a au moins deux bons franchissements, plus au moins une pénale touche. Oui, on va regretter trois essais, mais bon. Il y a un adversaire en face et puis effectivement on a du déchet, donc on a du boulot, mais ça on le savait. Justement, je dirais, on est très exigeant avec Tyros. Ouais, mais c'est normal parce qu'on attend mieux. Et honnêtement, Saint-Sulpice a été arrivé aussi avec des armes en moins, donc moi j'aimerais un peu plus de rigueur aussi. Je pense qu'il y a du déchet, c'est normal qu'il y en ait. Il y en a un petit peu trop quand même aujourd'hui, je pense. Manque d'efficacité, c'est certain. Mais bon, voilà, les conditions, on le voit bien. Jeudi ou vendredi, on n'était pas sûr de jouer, vu les conditions. Nous, on a joué, on a un bonus. Je redis, c'est positif. Dernière question, je te lâche. C'est dimanche Rodez. Rodez, je dirais, à chaque fois qu'on fait un déplacement, après avoir fait un joli match, on se retrouve en difficulté. Comment cette semaine, essayer de casser cette spirale? Ouais, c'est surtout, c'est pas tellement une spirale, c'est surtout de vraiment bien se comporter à l'extérieur. Contre une équipe qui joue encore la qualif, même si je viens d'apprendre qu'ils ont perdu aujourd'hui à Cognac. Donc ils vont avoir encore plus besoin d'une victoire. Ça fait un petit moment qu'on en parle. On s'est fixé un plan justement pour réussir notre match à Rodez. Je ne vais pas le dévoiler ce soir, mais c'est sûr que c'est, je pense, le tournant de notre saison pour pouvoir se rapprocher de notre objectif. C'est dimanche prochain que ça va se jouer.